Bonjour à tous, aujourd'hui je suis du côté de Mons, c'est à peu près à une dizaine de kilomètres à l'est de Carcassonne. Et tout de suite je vais vous montrer une petite particularité du coin. Vous voyez ces drôles d'animaux derrière moi ici, ce ne sont pas des taureaux, ce sont exactement des bufflones. Et les bufflones, ça sert à faire de la mozzarella. Et oui, vous voyez que je suis venu avec mon vélo italien, mon Gios, et j'ai trouvé un petit côté italien aussi dans ce paysage. Là, j'ai fait à peu près une dizaine de kilomètres par rapport à tout à l'heure. Vous savez que j'aime bien m'écarter des routes goudronnées et des sentiers battus. Et là, je me suis arrêté dans une ferme abandonnée. Et on a vraiment l'impression que le temps s'est arrêté. Il y a des vieilles machines agricoles. Il y a même un bateau ici. Et puis un camion qui est vraiment très, très joli. Et on a vraiment l'impression que le temps s'est arrêté ici. Et j'adore ces ambiances. Dans ce secteur qu'on appelle le Val de Dagne, c'est la fin des vendanges. Il reste encore quelques parcelles à récolter, donc j'ai pu voir quelques machines à vendanger, mais j'ai vu également des vendanges à la main qui se faisaient. Et en discutant, j'ai appris que c'était un producteur qui est en bio et qui est en cave particulière, donc qui produit son propre vin.